Brel, c'est un nom qui a une résonance jusqu'au fin fond de l'océan Pacifique. Est-ce que cette résonance, vous la sentez toujours, Marquise? Ah, on la sent partout. C'est une résonance, je trouve que le terme est très bien choisi. C'est un écho. C'est une chanson qu'on connaît, qui s'appelle déjà Brel, et tout le monde a envie de la chanter. Donc, je dirais que le fait d'être aux Marquises, d'être passé aux Marquises, fait que Jacques a terminé ce tour du monde de sa chanson. Oui. Les Marquises, ça représente quoi pour vous en tant qu'héritière de Jacques Brel? Vous le portez en héritage, les Marquises, encore? Les choses ne sont pas dissociées pour moi. Je suis plutôt dans la globalité. Mmh. Donc en fait, comme la Terre est ronde, il y a les Marquises, mais il y a aussi le plat pays. C'est pareil. Parce que si on regarde justement la chanson Les Marquises, c'est une des rares chansons que Jacques a écrites en décrivant le paysage. C'est parce qu'il avait le temps. Mais si on regarde la composition et la comparaison des deux chansons, il parle quand même de la planète. Alors je ne peux pas dire que Les Marquises soient dans mon cœur, plus spécialement, puisque Les Marquises, il va y arriver un peu par hasard, et il va s'y installer un peu par hasard. Mais par contre, je pense que Jacques est un créateur d'arc-en-ciel. Alors on peut dire que maintenant, il y a un arc-en-ciel dont un pied est sur un brise-lames de la mer du Nord, et l'autre est peut-être Marquise. Merci. Je vais reposer une question. Oui, quand tu veux. À votre avis, qu'est-ce que votre père, votre papa, a trouvé aux Marquises? Parce que c'était plus le Brel, le Jacques Brel chanteur. Il était pilote, il rendait service. Il a trouvé quelque chose de lui-même? Oui, la simplicité. Et je pense que les personnes comme lui, avec un caractère fort, avec un passé aussi qui pouvait parfois être lourd, trouver tout d'un coup la simplicité, pour lui c'était extraordinaire. Parce qu'il a pu être le Jacques, non plus Brel, mais le Jacques simple qui peut s'adresser aux gens. Et je crois que c'est ça qui était pour lui extraordinaire. Il n'y avait pas le filtre de la mondanité, il n'y avait pas le filtre de la reconnaissance ou des compromis. Il y avait simplement un être humain qui arrive quelque part et tout est facile. Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message aux Marquisiens? Leur dire bonjour? Oui, un grand bonjour. Et puis surtout de leur dire que cette terre est ronde et qu'on soit ici ou là-bas, on est tous les mêmes. Faudra qu'ils viennent vous voir ici. Mais ils viennent. Ils viennent et nous avons des contacts avec eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Jacques est un semeur de petits cailloux, mais qui vont devenir des fleurs. Donc Jacques, dans tous ses voyages, dans toutes ses rencontres, a fait fleurir quelque chose. Et maintenant, peut-être qu'un jour, il y aura un arbre qui s'appellera le flamand ou le bruxellois, qu'importe. Mais il crée des choses qui restent et qui s'épanouissent. Merci, madame. Merci. Une recette de pizza.